Salut la famille, de retour sur le Basco Reaction TV dans la rubrique Qu'est-ce qui fait des artistes danseurs gabonais des grands danseurs. Aujourd'hui on a à l'honneur la compagnie gabonaise Dandy Crew. Dandy Crew c'est une compagnie urbaine gabonaise évoluant en France réputée pour leur écriture chorégraphique dans le risque. Ils sont connus comme le groupe de danse gabonais qui prend le plus de risques sur scène. Ils sont donc concentrés sur une écriture chorégraphique qu'on appelle la routine. C'est quoi une routine? Une routine c'est un mouvement chorégraphique ou acrobatique qui se connecte à deux ou trois personnes, englobe le reste du groupe et forme une dynamique qu'on appelle le spectacle. C'est l'une des compagnies urbaines gabonaises qui a compris le leadership artistique très tôt. Ils ont travaillé sur leur charisme artistique, ils ont travaillé sur leur comportement. Ça leur a permis de construire un caractère fédérateur qui leur permettait de réunir des foules. Et donc, ils avaient une forte fanbase, notamment d'avoir SBG. Ce qui fait que quand tu organises ton show et que tu invites Dandy Crew, la moitié du public, c'est les fans de Dandy Crew. Et crois-moi, c'était des fans égoïstes. Quand Dandy Crew finit de prester, tous retournent. Parfois, quand on faisait les mêmes choses que Dandy Crew là, quand les fans de Dandy Crew partent, on reste dans ses poses à tous. Mais on presse devant qui? Dandy Crew, c'est la seule compagnie actuelle, je dis bien actuellement, c'est la seule compagnie urbaine gabonaise qui valorise valablement les couleurs du pays dans le domaine de la street dance. Déjà, ils ont été finalistes à l'African Incroyable Talent. Ils ont eu la deuxième place à la World of Dance Europe Tour sur Paris, qui est une compétition réputée dangereuse dans le secteur du contexte chorégraphique, qui leur a valu une invitation à Los Angeles pour le World of Dance NBC TV Show. C'est aussi la première compagnie urbaine gabonaise à avoir réalisé en 2009 la première vidéo complète 100% street dance, avec une scénographie street dance, un storytelling street dance et des mises en scène street dance sans les artistes chanteurs autour. Cette première vidéo street dance qui a été réalisée en 2009, publiée en 2010 en exclusivité sur le plateau 100% Gaboma, ensuite diffusée en boucle sur la chaîne RTN et la chaîne Point Noir. Mais qui ne se souvient pas de la chaîne Point Noir? C'est la chaîne de télévision gabonaise la plus difficile à capter au Gabon. D'abord, ça n'avait même pas de nom, on a juste donné ça Point Noir parce qu'il y avait un point à côté là. D'abord, ça a choisi les casiers où ça doit avoir. Donc, pendant que nous essayons de tourner l'antenne pour voir si ça voit sa voix, Dandy Crew passait déjà là-bas. Vous êtes en train de blaguer. Alors, on ne peut pas parler de Dandy Crew si on ne parle pas de Sergio. C'est qui Sergio? Sergio, c'est juste celui que vous appelez sur Facebook Valdi Moro et qui est le franc parler. C'est comme ça que la communauté danse l'appelle. Lui, c'est la tête, le visionnaire, l'orchestreur, le planificateur de Dandy Crew. Il est comme le professeur dans la Casa de Papel. Tout ce que Dandy Crew vit actuellement, il a planifié ça 10 ans en arrière. C'est lui qui a la boussole de Dandy Crew. Il a les lunettes du cap, de la direction de Dandy Crew. Il ne fait pas les chorégraphies, mais il est l'élément le plus célèbre de Dandy Crew. Il est bizarre. Quand il doit faire une nouvelle création de Dandy Crew, il se retire pendant 40 nuits et 40 jours pour aller jouer au piano. C'est lui qui a la foi qui déplace les montagnes. C'est lui qui a la foi qui trace le vent. Il est la direction artistique, le designer. Lui, c'est Sergio, le manager. Alors aujourd'hui, on va décortiquer une vidéo de Dandy Crew sur le son des Prospers. Il faut déjà dire que pour moi, c'est la meilleure vidéo de Dandy Crew parce que avant cette vidéo, on n'avait jamais vu Dandy Crew incorporer la culture gabonaise en plus traditionnelle dans leur démarche artistique de routine, de breakdance et d'acrobatie. Hey. En plus, ils font ce qu'ils font depuis qu'ils sont jeunes, donc ils ont développé une entente, une cohésion, une cohérence. Les gars vivent l'instant présent, la façon dont ils utilisent l'espace, chacun a sa position. Voilà, il y a une narration artistique, chacun bouge avec détermination et confiance. Tout ça dans le but de remplir la mission de la prestation, quoi. C'est clean, c'est synchro, les gars. Oh my god. Nah. On n'avait jamais vu ça avant. Routine breakdance avec la tradition gabonaise, jamais. C'était la première fois. Ah, c'est mon type, Dandy Merveille. Ah, c'est mon type. Dandy Crew est trop fort. Ils ont tué dans la vidéo là quoi. Ah, c'est ma meilleure vidéo de Dandy Crew quoi. C'est pas possible. Bah. Oh. Son. Aïe. So. Po. Ta. Po. Aïe. Le mouf cognac. Ils ont tué. Ils ont tué les gars, sont trop forts. Les gars vont ramener les trucs, ils vont c'est le mimbou, les six vont embarquer là-bas, non, les gars sont trop forts. Regarde comme c'est clean, c'est pas possible. Oh my god, le niveau artistique et technique est au rendez-vous, c'est pas possible. Hey, c'est pas possible. Ouh, oh, oh.
Putain, ma voisine. C'est le zouzou. C'est le zouzou. C'est pas possible. Non, non, les gars sont forts. C'est pas possible. Dandy Crew! Oh my god, non! Dandy Crew, c'est l'une des meilleures compagnies urbaines gabonaises. Juste la façon dont ils utilisent l'instinct naturel et le contrôle. C'est comme ne pas jouer, jouer. C'est comme jouer, ne pas jouer. Les gars s'amusent, mais ils sont sérieux. Ils trouvent l'équilibre entre la chorégraphie, l'énergie, le partage et l'amour, la discipline dans la façon dont ils bougent. Ils bougent avec détermination et assurance. Ils utilisent l'art du corps humain sur une forme artistique par le canal de la danse. Vraiment, c'est un truc que j'avais jamais vu avant. Les routines acrobatiques et breakdance sur une forme artistique, culturelle et fluide. Parce que quand la culture est utilisée, l'histoire même ou l'essence de la source de pourquoi nous sommes là refait surface. Qui nous sommes en tant que Gabonais, c'est qu'on représente notre terre-mère. On rend hommage à ces guerriers qui ont vécu avant nous. Regardez comme les gars bougent. Vous avez l'impression que les guerriers du Vel sont en train de travailler. Les gars, non, c'est fort. Voilà pourquoi je souhaite que quand mes frères Dandy Crew vont arriver ici l'année prochaine pour la World of Dance NBC TV Show à Los Angeles, Californie, je souhaite modestement qu'ils viennent avec la même approche, celle d'incorporer la culture gabonaise pour amener une différence qui va créer le déclic tout en gardant leur démarche artistique de routine breakdance acrobatique pour créer l'impact. Parce que je pense que pour convaincre un peuple, il faut toujours amener quelque chose de nouveau tout en utilisant un vocabulaire où il se retrouve. Je pense que le Gabon peut gagner le million de dollars à Los Angeles seulement si on change le terrain de bataille. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez sur la barre des commentaires. On se voit pour la prochaine fois. Peace.